Non, tu vois, le... alors cherche un point. Cherche un point qui s'appelle rempart occidental. Ah mais si, bah si, on y a déjà été parce que du... Attends, mais mec. C'est quoi la tourmine? Attends, je vais y aller parce que mec, je suis perdu là. Je suis plus du tout... parce que du coup, je connais pas la map. Je peux pas faire comme avant et te dire... Eh hey, mec, viens, on rush! Ah, quel enfer, je t'ai dit ça pendant au moins 4 Oui. boss. Et là, mec, on rush! C'est quelque chose que je mets tes ordres. Là, voilà, ça c'est quoi ça? Ruine antique de Mais Rhône. putain, j'ai pas dit que t'étais Ah non. habile. Oh merde, c'est quoi ça? Voilà, merci. Mais attends, mais Josué, du coup, c'est où la suite du jeu si on n'a pas le truc de. Attends, Je t'es. fouille un peu, moi. Je vais vers un côté où on n'a pas encore été. Allez, descends de ton cheval. De tout nerveux, je te Ah, manquais. mais non! Mais voilà! Mais en même temps, si ma manette répondait un peu plus, j'aurais moins de problèmes. Oh, ça va, je suis dégoûté. Ouais, je sais, tu vas me dire que t'aurais dû t'acheter une PS5 en plus. Ah! T'aurais pas dû t'acheter une PS5! C'est bon, j'arrête de vendre la paix. Elle est Ça bizarre. m'énerve. J'ai vraiment mis les pattes et tout, je peux pas faire vite. Mais attends, mais si, mec, on a déjà été là. C'est pas l'endroit où il y a l'église de merde, là? Les mots gravés, nanana, je rentre, c'est ma chère. Et là, il y a. Ah, bah, c'est un des. Waouh, je me souviens de me prendre un caillou en pleine poire. Même le mec qui est parti, quoi. C'est pas moi, je te promets. Pardon, mais c'est quoi ce qu'il vient de me mettre? Le mec, il m'a mis des coups de griffe, il m'a déglingué. Je suis à pas loin, là? C'est un mob ou un fils Ouais, de c'était un pute? mob. Il m'a balancé des cailloux et après, il m'a griffé. C'est ridicule quoi, mais genre il a fait des damage. Il est où ce bâtard? Lui là? Ah non, non, c'est lui. Bah, pourquoi je vois pas? Je suis le seul point, pas loin. Lui dit rien. Mais là tu vois par là on n'est pas allé hein. Ah bah là il y a les ruines mortes. Mortes, mortes. Là, il y a ça. Ça fait mal de se faire brûler. En général, t'as vu, ça fait pas du bien. Ah, les mecs jouent de loin, mec. Le fardeau de ce monde, mec. Oh, toi, tu fais la Non belle. mais vraiment ça m'insupporte déjà le fait que tu n'arrêtes pas de chanter. Alors vraiment le fait que tu chantes ça c'est pire. Ouais, mec, j'ai en tête, c'est affreux. Gros. Là, t'as pédé, mais hein, moi, ça me saoule. Alors là mec j'ai atteint un endroit avec une grotte. Trop des comédiens dans les plans. Et bien c'est que tu crois. Chien de mes Comment? fesses, chien de mes fesses, j'en venais marre! Qu'ils aillent se faire mettre ces chiens avec des hits de déglingo là comme ça. Oh, c'est des gros fils de chien. Je suis dans une grotte avec pas mal de passages. Il a encore avancé, on va Waouh, bien. c'est immense. T'es parti où? T'as suivi le chemin Bah dans les ruines de mortes, un endroit tu pouvais descendre, mais alors je serais plus capable de dire parce qu'une fois que t'es descendu, t'es. J'essaie de revenir d'avoir cette putain de difficulté, c'est insupportable. J'en ai marre des dégâts dessus dans ce putain de jeu, j'en peux plus. J'ai du champ de la vidéo, je vais mettre du Metallica dans toute la maison. C'est pas que je chante mal, c'est que c'est des musiques de merde! C'est vrai que pour le coup, je préfère plutôt me faire spammer avec Metallica que du sac. Même Slipknot, mec, je préfère à ça. Écoutez, on va essayer Slipknot, c'est pas une histoire d'homme. Ah, c'est vraiment particulier quoi, ce limite. Non, mais je trouve que c'est vraiment le gros cliché du métal qui fait. Voilà. Et après, à cause de tout, ça a des réputations de merde, genre. Ouais, le métal, c'est que du bruit!
Et oui. Dans ma vie, mec. Dans ma vie de 19 ans, là. Je suis en train de remonter. Oui! Seigneur Jésus-Christ, sauvez-moi de ce monde. Oh là là. Mec, je suis en train de remonter à un endroit là, c'est long. Je sais même pas où je vais, mec. Je vais totalement au hasard. Ah, c'est bon, je reviens Et à la ouais, surface, mec, tu vas bientôt me voir. allez hop! Mec, j'allais, je vais aider ma belle-mère. Je reviens. Sens qu'il est mort. Dégâts de chute de mes. Ah, il y a des pots. Secours. Ouais. Perd son arme, j'imagine. Ah bah. Même pas. Ah, couteau du boucher de Bonnie. D'accord. Celui-ci même qui du coup est mort. De la merde. Ah c'est bien de la merde des chiens, franchement. Il y a truc au monde quoi. C'est pire que des trash mobs classiques quoi. C'est pire qu'un boss quoi. Ça te hit H24. N'a aucun intérêt. Je sais pas où il faut aller. Allez, encore ces bestioles de mort là. Je peux pas aller ailleurs. Bizarre, du coup, je trouve vraiment pas le chemin quoi. Allez voir, hein. Géole de Bonnie. Les effets néfastes que j'avais. Waouh. Un véritable délire avec tous ces pots scellés là.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah super, des tripes. Ok, absolument rien par là. Ici c'est fermé. Super. C'est dégueulasse qui sort de nulle part. Là il y a une porte, aucune idée comment est-ce qu'on y accède. Ok. Ça veut dire qu'on s'enfonce dans les ténèbres. Tout ce projet m'inquiète au plus haut point. Alors j'avais en plus de chemin, mais là j'ai l'impression qu'ils s'enfoncent vraiment dans un chemin. Ok, donc là j'ai une échelle. Alors moi la question maintenant que je me pose, c'est de l'autre côté, il y avait quoi? C'est bien ça le souci, c'est qu'on me propose droite-gauche. Je suis à la gauche, il y avait quoi à droite? Je trouve que c'était totalement fermé et j'aurais pu le savoir avant. Ici, c'est pas accessible. Ok, donc c'était vraiment un cul-de-sac, quoi, je trouve ça. Oh, il y a deux tuyaux. Je suis parti vers la gauche. Droite, non? C'est-à-dire qu'il y avait là. Et là. Ah oui, donc d'accord, donc du coup ça me tue. Ça me digère quoi. Allons-y hein. L'occasion de remonter, je suis descendu encore plus bas. Ok, donc là on est vraiment sur des pots pas gentils. Ah ouais, avec des petits pots. On va essayer de bouger rapidement. Waouh. Waouh.
Oh, j'ai fait tomber. Et nous revoilà du coup dans le couloir de la mort. Ça c'est con, j'en ai. Ah, on est revenu là. Ah ouais. Oh là là. Attends, c'est là où je pense, hein. Ah bah non. Oh, ils veulent tous mes fesses. Ah, et voilà le boss. Alors, il n'y a aucun point de grâce. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ok. Meral, etc. C'est tout quoi. Super. Donc j'ai vraiment fait toute cette zone pour me faire un boss qui m'aura donné un truc qui m'intéresse. Ouais. Oh, un peu complété quoi. Waouh. Putain. Egon, coupe ton micro. Oui. Agnès viendra, papa, il viendra, mais après, parce que l'on va manger. Ok, pas de soucis. Ça Ouais, pas de soucis, pas de soucis. On va aller à Ch on va ici. Ah non, pas ici. Ici, je sais qu'il y a une direction, une zone. Alors normalement, je sais, mais le problème c'est que c'est pas la bonne zone quoi. Oh, j'ai oublié. Enchaîne mes fesses là. J'avais pas récupéré ça, tiens. Wouhou! Non. Non. Ah purée! Reste des enfers quoi, que ce tocard là. Putain, cassez-vous, allez voir ailleurs si j'y suis! Voilà, donc nous on était allé par là, on va aller récupérer ça aussi, tiens.
Évidemment, et du saignement, parce que c'est pas marrant. Ah, génial! Alors là, génial. J'appuie sur E pour prendre l'échelle, et vraiment, personnage, on a rien à foutre, il décide de sauter dans le vide. Et je galère et tout pour arriver à faire un truc et je me fais envoyer valdinguer par le jeu lui-même. Propre perso qui décide de même pas faire ce que je veux. Super, on se retape. J'espère que cette fois-ci ça aide bien aussi parce que maintenant ils auront tous bougé. Ah ouais, j'aurais pu faire directement depuis l'ascenseur. Ça aurait pu être une solution aussi en vrai. Plus ce qu'il y a par là. La zone ici avec tous ces bateaux là en flamme. J'aimerais que mon personnage prenne la décision d'accepter d'aller ici. Perfecto. Donc l'échelle ici et maintenant tu viens là. Ah, il y a encore les tableaux. C'est vrai que je fasse la quête aussi. Domaine draconique. Et là, normalement. Voilà. Ah bon? Ah, j'ai pas le droit. Ok, d'accord, donc en fait en coop je pouvais pas le faire. Ok, je savais pas du tout. Putain, mais ces phases en cercueil me terminent quoi. Des cercueils quoi. Moi c'est un cercueil peut monter et descendre, sachant qu'il fait au moins 2 tonnes le bordel. Une tonne le couvercle, une tonne le corps. Regarder derrière soi. L'altus occulte. Voilà. Je deviens moins serein là. Occulte carrément. On est vraiment passé du côté obscur de la force. Au stade de plus plus plus. On est ici. Les ruines d'Ente.
Si la porte est barricadée, donc ça ne sera pas ce chemin-là. Je fouille, mais je vois pas trop. Cendre de guerre perdue. Aïe. Du fourneau. J'ai hâte de pouvoir leur mettre la misère à ces barbecues sur pattes là. C'est incroyable le nombre de bâtiments et tout qui ont des voiles. Je vois quel vent ils ont mis des tissus aussi grands sur tous les bâtiments. Braise de Mesmer. Et là, il y a le gros bâtiment, on n'y a pas encore accédé. Hein. Là et tout, il y a vraiment un truc. Un boss, sûrement. En fait, il est devant l'entrée. J'ai pas la moindre idée de comment y accéder, quoi. Mon feu qui est dans... C'est l'homme de ma vie. J'avais mis une canette ici, je l'ai plus. Elle est à gauche. Ah. Ah, ouais. Comment tu sais? Parce que je vois tout. Je sais tout. Ça va, merci. C'est rassurant ou inquiétant. Là. C'est de grâce. Allez, hein. Je peux plus. Bestiole de merde. Bravo. Spontan, t'as réussi leur job.
Voilà, on n'a pas vraiment d'accessibilité. Génial. Trop marrant. Je passe par un trop bon moment. Faut se faire mettre. Sans exception. Village des mouches. Ah bah super. Si j'avais su, j'aurais préparé jamais aller là. Je sais, tu parles tout seul. Oui, je tourne toujours ma vidéo. Ah, mais ça va bien. Parce que Aline m'a dit de te demander à qui tu parlais. Je pensais que t'avais rajouté Maxime ou je sais pas quoi. Maxime. Bastien, pas bien sûr. Vincent. Ah oui, Vincent. Hop, passer par là. Ici, on n'a rien. Waouh, très bas. Bon, on va continuer. Par ici, on a quoi? Notre chemin. Descend toujours vers les enfers. Tac. Elle dit la vache. La descente de fou là. Waouh. Clairement la mort qui m'attendait. Mais je l'ai esquivé. Là il y a un moyen de remonter la flemme. Oh, on a des catacombes ici. Allez noter. C'est quoi comme endroit? C'est les catacombes de la lumière noire. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Oh god damn it. Est-ce que là je crois qu'on peut pas aller? Ouais, c'est ça. En fait, tu fais tout ce chemin pour arriver là pour te dire et voilà, j'ai descendu. Mais le donjon normalement amène la suite de cette zone de la mort. Allez, hop, let's go. Grâce évanouie et découverte. Et on se situe où? En bordure de zone. Oh, ça, ça pue. Voilà, exactement ce que je disais.
trou et... Ah ouais, non mais frère. Oh la vache. C'est un truc de fou. Ça ressemble à rien, c'est moche et ça te fait des damage de porc là. Ça me rend dingue. Ça devrait même pas avoir autant de force, ça devrait même pas pouvoir autant t'éclater. Avec l'armure que tu portes en plus. Trop stylé. J'ai activé le levier et le levier qui permettait. Wow, frère, frère, non mais mec, il a un canon à flamme quoi. Non, mais... Ça va? On est quel genre de craquage là? Puis il en fait des damage, hein, celui-ci. On va s'en sortir. J'y crois fort. Ah oui, d'accord. Du coup, ça va vraiment allumer toute la lumière sur tout l'étage. Waouh. On peut descendre en bas. Parce qu'on peut pas descendre en haut. Coucou. Mais quoi, les mobs ont repop. Mais what the fuck. Vous avez craqué. Vous assis de grâce. Vache, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, mais gros. Absolument déconné que ça soit les damages, que ça soit le nombre, mais je comprends pas, je les ai tués, ils sont pas censés repop. Qui était juste là. Saloperie. Une mina jaune. Pourquoi ça sert? On peut utiliser le craft dans ce jeu. Ok, donc nous voilà enfin dans l'étage inférieur. Et encore un ascenseur vers le fond des enfers, si on ne sait pas marrant. Oh god. I'm gonna die. Où est-ce qu'il m'emmène? Oh frère. Et là, tu te dis, si tu meurs, c'est tout, tu dois te retaper quelqu'un. C'est trop grand. Je vais clamser 6 fois avant d'y arriver.
C'est génial, maintenant il y a de la magie qui sort du sol et de nulle part là. Ah oui, oui, la magie, la magie, la magie. De la magie, il y a vraiment de la magie qui sort de nulle part. Mais lui il fait des flammes, pourquoi? Pourquoi il y a de la magie qui sortait du sol? Il n'y avait aucun mob, il y avait de la magie qui sortait du sol. C'est-à-dire que je peux même pas dire je tape l'ennemi en question, non, il n'y en a pas. Le donjon qui m'envoyait bouler. Ok. Le soir, les serveurs USA, ils sont horribles. Tout ce que je veux faire, c'est atteindre le terminal pour rappeler mon vaisseau. C'est tout ce que je veux faire. Ça, ça va me prendre un moment. Et je descends quoi. Abuser les hauteurs que je descends dans ce jeu. Je devrais déjà être au centre de la Terre à ce stade-là. Et finalement, la map elle est très grande, mais elle est aussi très profonde. Oh ouais. Je suis dans des catacombes là. En fait, t'as des. Ouais, des... c'est ça, des catacombes. Mmh. Oh, là. Tu sais, le vaisseau que je t'ai fait voir tout à l'heure là. Ouais. J'ai réussi à y rentrer un véhicule, alors ça passe juste, mais ça rentre. Et j'ai découvert un endroit en cherchant de l'extérieur comment ouvrir la rampe. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une autre rampe planquée où tu pouvais y rentrer une moto volante. Nani ? Parce que dans le jeu, il y a des motos volantes. Et il y a un endroit où je peux mettre une moto volante dans le vaisseau. Je suis quoi ça ? Devant l'écran. Arrêtez de me pousser. Ah, ils vont me faire sortir de l'écran. Ah, c'est pas vrai. Le mec il me pousse et puis je descends en même temps, du coup ça fait laguer le bordel. Allez, allez. Pas le Sulum. Oui. 22 minutes pour l'appeler. Putain. C'est beaucoup. Il y a, tu sais, le truc d'éditeur de personnages. Ouais. Alors tu peux charger un personnage que t'as save. Mais tu peux aussi importer des personnages. Il y a un site où des gens ont créé des personnages avec l'éditeur que tu peux mettre dans le jeu pour avoir ce pour jouer ce personnage-là. Il y a des gens qui ont créé Chris Roberts, le créateur de Star Citizen. Forcément. Alors il y a d'autres personnages, alors je me souviens plus trop, mais et quand le jour où j'ai découvert ça, je suis allé sur le site et le site était cassé. Ah bah voilà, parce que vous deviez pas. Finalement, même le site il va bien que le jeu finalement. Mec, vraiment, c'est le quatrième ascenseur que je te prends là pour descendre. Mec, il faut arrêter à un moment donné de me faire descendre. C'est pas possible d'aller aussi bas. Je me fais aller dans les enfers les plus profonds. Ah, le boss. Voilà. Jory, inquisiteur chef. Hop.
Game. Il faut manger tout plus tard. Il faut que j'apprends 22 minutes pour qu'il revienne. Tu joues en mode solo ? Comment tu as dit ? T'es en mode solo ? Ben pour l'instant oui, parce que Agon et chez eux, il est parti manger, je crois. Mmh. Ils ont pour habitude chez eux de manger assez tard. Bois Abyssaux. Mmh. C'est extrêmement sombre, extrêmement stylé, extrêmement. Une ambiance, mon pote. Mmh. Surtout après avoir descendu ce que j'ai descendu. Bah écoute, je te dirai ce que j'en pense dès que le Star Citizen se sera fermé. Ouais, regardez mon problème. J'ai tout essayé pour les notifications YouTube sur le téléphone. Ouais. J'ai toujours pas. J'ai. Ah, t'as toujours. Tu veux dire, ouais, t'as plus les notifs. C'est ça. Je reçois plus les petites bulles, les bulles de notification. Et même dans les paramètres YouTube, t'as pas ? Paramètres YouTube, tout est activé. Dans les paramètres du téléphone, il y a les autorisations des notifications pour YouTube et les notifications sont activées pour YouTube. Ouais, c'est bizarre. Oh, mec, je vois que tu vois. Bah moi aussi j'aimerais bien. C'est immense, c'est des arbres en pote d'une taille. Ah, il y a encore des inscriptions au sol. Ne vous faites pas avoir. Si l'on vous voit, il n'y aura pas d'issue. Rien ne saurait l'affecter. Je suis arrivé dans un endroit, visiblement pas sympa. Normalement, là, je devrais avoir effectivement la map pas loin. Oh, je peux pas avoir de cheval à cet endroit-là. Je vais tout taper à pied. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Première zone où je suis, où vraiment c'est aussi grand et on te dit non, à pied. C'est très sombre, c'est un truc de fou. Quoi. Mais on est très très bas en fait, c'est ça qui est fou en fait. C'est comme une énorme cavité mais ouverte quoi. D'accord. Alors, il y a un mec en face de moi. Je cours, je. Oh, je peux pas. Quoi ? Non, je peux pas invoquer non plus de cendres. Ah ouais, donc je suis vraiment même. Donc là, il y a un mec et tout. Waouh, ok. Fais de la magie, mais non, arrêtez avec votre magie, non. Oh la vache. Il m'a démonté. Démence. Alors, déjà, il y a un truc qui me saoule, c'est que dans les DLC, il y a beaucoup plus de personnages vraiment qui jouent un peu magie. Mais alors là, mon gars, pas de cheval, pas d'aide, rien quoi, je suis walpé. C'est vraiment, c'est. Quand tu joues magicien, t'as la difficulté facile, bah finalement, dans le DLC, c'est la difficulté difficile. Je suis pas magicien. Parce non. Non, non, mais justement, ah non. Parce qu'en fin de compte, c'est la difficulté facile si tu joues magicien dans le jeu. Mais sachant que tu affrontes des magiciens dans le DLC, du coup, ça devient un truc difficile vu que t'affrontes des mecs qui sont difficiles oui, à battre. C'est vrai. Dans Elden Ring, en fait, il n'y a qu'une seule zone vraiment qui est magie. On me dit de magie, quoi. Ouais, il me court après, mais mec. Ah ouais, ah ouais. Pardon. Oh, les dégâts de sa magie, c'est des. Ouais, quelle connerie, hein. Ouais, je l'ai. Non, je l'ai plus. Démence. Pourquoi démence? Mais, what the fuck? Le mec m'a mis un effet de démence. Mon personnage, il a regardé en l'air en mode bâche. J'allais le hit, je l'avais réussi à l'avoir. Je suis ennuyé en fait qu'il y a des moutons. Qui me regardent et qui font monter une barre, je sais pas trop ce qui se passe à la fin. D'accord.
et bon. J'ai Wiimote en arrière-plan, je crois que je vais Wiimoder. Parce que vraiment, mec, j'ai beau essayer de le taper avec Malbarde, il me fait des dégâts, je m'éloigne, il me met des dégâts de flamme à une distance que je ne saisis même pas moi-même, avec des damage. Faut savoir que là, le DLC, du coup, te reset un peu à zéro, et en fait, il faut que tu montes deux barres. Donc, une pour la vie et une pour la force, si je me trompe pas. Enfin, qui te donne, en gros, une sorte de force et tout. Voilà, c'est abusé, quoi. Faire ça. Voilà, il va le Mungi, il va rien comprendre. Puis c'est dommage, j'ai failli l'avoir tout à l'heure. Donc là, même là. Merci. Oubliez d'aller vous faire mettre. Main frénétique. C'est ça en fait qui me tapait. Main frénétique. Trop de choses qui m'ont tapé. Je sais pas ce que c'est. Bon, le jeu, c'est quand il veut qu'il se ferme. Ah, au secours. J'aurais pas dû faire avec tout desktop, j'aurais dû faire hit game. Enfin, c'est plus rapide à quitter. Ah bah voilà. Yes. Hello guys. Bon. Salut. Agon, j'ai dû te kick parce que je voulais faire des trucs qui ne me permettaient pas de le faire en coop. Ouais. Et je suis dans une zone, mon pote. Une zone. Mais dans j'ai pas le droit d'avoir de cheval, j'ai pas le droit d'avoir de cendre. Dans le DLC ou dans... Oui, dans le DLC, mec. Je joue au DLC actuellement. Le jeu de base, on l'a un peu poncé, même s'il y a encore plein d'objectifs à faire à droite et à gauche. Ça y est, j'approche enfin de cette carte! Alléluia! Alors, mon monde est toujours ouvert, tu peux toujours rejoindre. Et quand Vincent aura terminé, d'ici une demi-heure de fermer Star Season, on pourra lancer une game tous les trois. Sans déconner, ça fait de faire au moins facilement 5 minutes que j'ai quitté le jeu, là ça fait quitting game, et j'ai toujours le jeu qui me bloque mon PC. What? J'ai eu Star Season. Mec, c'est d'habitude, non mais c'est depuis leur dernier patch là, tout est plus long, ça rame. Mais là je crois que normalement avec 3.24, ils vont mettre en place le server meshing, je crois que c'est que la... j'ai vu que c'était avec la 3.24. Waouh, ah oui d'accord, en fait c'est une petite zone mais ah non d'accord, non pardon, c'est une, quand même une grande zone. Ça s'appelle Abyss, ah ouais mais même sur la carte ça apparaît de façon... Bah mec t'as pas ouvert ta session, mais d'accord. Attends, je regarde voir pour voir, mais normalement elle était censée être ouverte. Donc j'ai fermé. Ah non, elle était fermée, pardon, my bad. J'ai peut-être dû s'il a fermé du coup. Flacon parfum des flammes exaltées. Par contre, ça va être rassurant, ça va brûler de tout recommencer. Pourquoi donc? Non, pas de tout, c'est rien, je suis con. Je laisse pas ça que je voulais dire. Oh, bah attends, mais quoique. En vrai, si Vincent. Mais non, mais on va rush le jeu, là, le problème. Mais non, 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 on va faire de nouveaux personnages. Non, non, on va pas jouer avec nos personnages. Je veux dire, ne mets pas de New Game Plus, c'est ça que je voulais dire. Bah non, 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 on va faire. Mais mec, le but étant que. C'est ce qu'on avait dit, c'est qu'on va refaire une game avec Vincent. Et on va refaire une game, on va faire un bulle de magie. Hein. Toi aussi. Parce qu'en New Game Plus, ça va être notre perso. Et notre perso est déjà monté en bulle saignement. Vincent, tu peux déjà juger très fort pour t'énerver, je t'en supplie. Mais je vais déjà expliquer pourquoi. Ouais, non, mais je sais déjà et je ne joue personne parce que moi c'est la première fois que je joue, je suis capable de faire pareil. Donc non mais en fait on sera tous on va tous jouer magie frère, ils vont rien comprendre. Moi j'ai envie de jouer magie là, j'ai envie de voir ce que c'est qu'un magie. Moi j'ai fait le jeu de façon normale, j'ai pris ma vie sur 6 générations, maintenant j'ai envie de rouler sur les gens. Par contre du coup alors moi j'ai débloqué une petite partie de la carte, je pensais que ça allait tout bas. Et du coup je sais pas à quel point cette zone d'abysse s'étend et qu'est-ce qu'il y a dedans quoi. Et j'arrive où il y a des putains de chèvres qui oui. Ont des yeux. Ouais ouais t'as une jauge et tout, elle te regarde. Ah mais... Attends mais quoi, j'avais pas vu ça.
Il y a des mecs. Je fais penser à God Simulator en fait. Bah, m'a regardé, mec, dans sexy. Allez, vas-y, toi, vas-y, regarde-moi, connaître. Regarde-moi! Tu es! Bon, bah, t'es mort. Vous m'entendez? Oui. Non. Ah. Parce que je vois sur Discord. Non, je vois sur Discord, voix connectée. Mais tu sais, le petit symbole à côté qui me donne la connexion, c'est grisé avec un petit triangle. What? Grisé avec un petit triangle. C'est-à-dire que t'as un souci de quoi alors? Bah, apparemment, je t'envoie un screen. C'est Sartizen, mec, faut que t'arrêtes. Ouais. Ouais, alors que je vous entends normalement, que vous m'entendez, donc... T'as vu, c'est marrant aussi, les épées là sur la pierre, mec, en mode de... comme s'il y avait du magma. Oh non, on va pas tomber sur un putain de maquard, là. Un dragon de magma, là. Mais si, si, il y a son... frère trisomique... 6000, dans le coin. Non, je suis mort. Non, mais... Ah, j'ai rien à dire, mais Astèche, quoi. Le jeu, c'est quand tu veux qu'il démarre. Imagine, mec, c'est avec l'arme que dans l'arme de DLC là. Si on pouvait jouer en plus de ça, saignement avec. Mmh. Oh là, mec. En vrai, je comprends qu'on puisse pas jouer, je pense que ça serait beaucoup trop pété. Je crois que j'ai un souci avec le. Startizen, oui. Non, Elden Ring, mec. Je le lance et il se coupe aussitôt. Ah, tiens. De quoi? Bah je le lance. Ah, Elden Ring. Bah oui, Elden Ring. Bah comme Egon. Bah tu vas dans Steam, tu fais vérifier l'intégralité des fichiers du jeu. Il avait le même souci. Ah d'accord. Genre écran blanc, écran noir. Ouais, la première fois que j'ai lancé, ça m'a fait un écran blanc, ça s'est coupé. La deuxième fois, ça me fait écran noir, ça s'est coupé. C'est dingue, moi j'ai pas eu ce souci là, j'ai pas eu besoin de vérifier mes fichiers, moi. La mise à jour s'est bien passée. Mais vous, j'ai l'impression que ça s'est pété. Bah ouais, écoute. Parcourir les fichiers. Oui, on avait fait le mot de passe, hein, normalement c'est bon. Hein, ah, c'est pas ça. Oui, je l'ai fait, c'est bon. Ça me tue vraiment, j'essaie de le suivre, mais. Quoi? J'essaie de le suivre, mec, mais c'est compliqué. Mais mec, en fait, je me rends compte à quel point la carte que j'ai débloquée est infiniment plus petite que la zone. Pourquoi est-ce que c'est aussi petit le morceau qu'on a débloqué là? Mais mec, moi je vois qu'il manque un morceau hein, de la carte. Bah oui, en bas. Parce qu'en fait, là, tout ce que j'ai débloqué de la carte, c'est. La zone dessus. Ah, je sais pas si toi il te l'a récupéré du coup. Est-ce que là où on est pour toi il y a un morceau de carte ou pas? Bah là où je suis, oui, je suis dans une carte. Oui, donc une c'est espèce bon, hein. D'arbre comme ça un peu grisâtre. La zone grisâtre. Je sais vraiment pas par contre ce qu'il y a dedans cette zone quoi. Vraiment. T'as vu ces putains de géants baobab là? Bah ouais, mais mec, il y a des arbres immenses. Et surtout, on peut pas invoquer de cheval, on peut pas invoquer de cendre. Et c'est où la finalité de ces zones quoi? Mon père, tu remets le bonjour. Ah, bah tu remets le bonjour à ton père. Hein. Et à ta mère, ouais. Si tu la recroises. Et à Christelle aussi. C'est quoi cette jolie mère? Regarde ça. Ah, encore des runes qui vont nous dire cassez-vous. Je suis sûr. Dissimulez-vous, ne faites pas le moindre bruit. Attendez le bon moment en silence. Évitez le combat à tout prix. Qu'est-ce qu'on... Sur quoi on va tomber, mec? Sur quoi on va tomber? Accroupissez-vous dans les broussailles. Lui là? Non, attends, je vais où c'est le. Même toi, t'as pas assumé. Ça fait peur. Il t'a sauté dessus. C'est quoi cette tête, gros? Il a des yeux partout. Ah, il me dégoûte. On lui fait des damage ou pas celui-ci là? Démence, il me fait devenir fou. Ah, mais ouais, c'est comme l'autre type là, la dernière fois. Et du coup ça fait quoi la démon, je m'en prie? Bah en gros tu peux plus vraiment jouer. Ouais, j'ai bien marqué. Ah merde. Ah oui d'accord, ok. Ah ouais mais du coup il m'a capté aussi. Ah ouais en fait on peut pas les attaquer. Ah tu joues une barricade, j'avais pas vu. Donc c'est toute une zone où on est obligé de se la jouer discret quoi. Trop bien mec, j'adore ce genre de zone. Génial mec. Échec de la validation pour un fichier. Ah donc ouais c'est ça, donc non, il va faire une réorganisation non? Ouais, et il va me retélécharger un fichier qui était corrompu. Tiens. Ils étaient corrupted. Putain, c'est vraiment une zone où on peut même pas attaquer quoi. C'est un truc de fou à quel point ils nous mettent faibles dans cette zone. Par contre, vraiment, t'y vas mec alors que tu peux pas l'attaquer quoi. Je le déteste, t'es moche.
t'ai dit que t'étais adopté, espèce d'enfant de ta mère. Espèce d'enfant de ta mère. Alors, je rage pas souvent, mais je vais rien dire. Si, il rage souvent dans ça, mais faut pas le dire. D'accord. Ouais, c'est ce que je veux comprendre. Il est un peu fragile. Il doit se dans son petit cœur. J'ai envie de péter un plomb. Il me veut. Bah tant mieux, il meurt. Il m'a eu. Tiens, tiens, alors, espèce de fragile, va. Hein, il m'a eu. Tu veux que je le dise maintenant à Vincent, comment t'as réagi quand? Vincent, il sait déjà que des fois ça m'arrive de rager. Attends, Vincent, deux secondes. Je voulais dire un truc, tu vois, mais. Eh, la vie de merde. Pire que les SDF à Namur. C'était quoi? C'est très peur. Pourquoi? Pourquoi t'as sorti ça? Je comprends pas. Comment ça, mec? T'inquiète, mec, toi. Je... Oh, il m'a sorti un truc grand homme, mais moi, ça m'a fait une émotion. Pire que Stéphane et moi. Mec, imagine Vincent, là, en mode niveau 1, devant Radon. Bah non. Tu veux faire ça, mec. Moi, je pense que ça va bien se passer, mec. Et Josué, t'es un bâtard, t'as réussi à passer. Et le pire, c'est que le mec a réussi à passer, ça c'est bien. Mais. Je suis un peu discret. J'ai peur. Le gars il est discret mais sans l'être. Je crois que ça me fait penser aux mecs qui sont là. Enfin, qui étaient là du coup, parce que je suis plus du tout en cours, mais des gens qui sont là. Tu peux passer un stylo. Mais pourquoi tu rigoles toi? Ta soeur aussi, elle a une démence. Ah, oui. Quoi qu'il n'aime bien, mais a quitté votre jeu. Je crois que t'as crash. J'en ai marre, pourquoi je la mets de chance? Ah oui, j'ai compris la blague, il va casser tous les chiens qui font peur en 1 et... C'est ça la blague. C'est le premier chien dans le top 1, il est très moche et le dernier il est fini. Et quoi ce fils de dixième. Eh, mange ton oncle, voilà, dixième. Non, arrête. Qu'est-ce que c'est que ce son là derrière les enfers? Pas rien. C'est réglé. Un peu d'amour, un peu de violence. Dans ce monde d'ignorance. Que ta soeur arrête de mettre ses musiques trop fort. Ça te réussit pas. Non mais non, elle écoute... Attention qu'elle écoute un peu. Faut que tu t'écoutes du Metallica dans ces cas-là, mec. Et oui, ou... mais non, mais mec, tu m'as dit que pas de musique en fond, donc je peux pas. Non, mais. T'es tard, plus ça. Ah oui, d'accord, en fait, on traverse toute la zone marécageuse. Marécageuse, j'ai dit. Zone abyssale. C'est toujours la musique dans le jeu que t'as pas écouté. Allez. Dissimulez-vous, ne faites pas le moins de bruit. Encore. Mais mec, on va vers un endroit. Chiant à atteindre. Encore ce. Ça t'arrive, Vincent? Mais j'avoue, Vincent, toi t'en es où? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure. Réorganisation à 90%. Il me reste 1 giga. T'as la chance, moi tout à l'heure. Oh non, je sais ce que c'est, une grosse merde. Il y a encore des zones, mec. Il y a que ça, mec. C'est un enfer. Ah, tu les as fait disparaître. Je t'aime aussi, mec. Hop là, j'espère apparaître. Allez, maintenant il faut assumer le jeu. Bah, la blague, c'est que du coup, il a eu le temps de tout passer, quoi. Ça, c'est la blague. Il va me repérer, tu vois. Hein. Tu vois, il a décidé de me casser les couilles. Aujourd'hui, c'est... Voilà, aujourd'hui, c'est ma journée, mec. Entre un chef arabe qui me donne des ordres, son chantier, mec. Il se prend pour qui? Pour Abdul? Bah oui, hein, c'est son prénom. Tiens, Karim Abdul-Jabbar.
Waouh. Le mec s'appelle quand même Ilmaz. Immatriculation. Hey, Ilmaz dit ou quoi? Oh. Non mec, il y a encore un champ à traverser. Mec, il y a que ça. Si j'active mode Vincent, et que je mets en mode de ignorer les coups, je traverse la zone et dès que je trouve un point de grâce, mec, tu te TP, hein. J'ai déjà essayé de faire ça, mec, ça ne fonctionne non, pas. Non, avec Wiimote. Ah, oh, t'es sérieux, mec. Sérieux, dans le bon sens du terme ou dans le vrai? Un peu des deux. Je l'ai pas activé, là, hein. Je suis juste en train de traverser au calme. Ah, tiens, un côté où je me dis, oh, le mec est pas les 10. Et un autre côté où je me dis, ouais, bon, après, il se casse plus. Ah, il m'a. Non, je refuse. Il m'a, tu veux dire. Ah, ça marche, le mode ignorer les coups. J'ai paniqué, hein, vraiment. J'ai réussi à passer, il m'a vu au dernier moment. Puis dit non. Tiens, parce qu'il utilise Wiimote et après, c'est le genre de gars, il va me dire. Ouais. J'en ai un cul! Ça va aller. C'est seulement la moitié de la zone, mec. Comment tu sais, mec? T'as été dans ce match? Bah. Ah non, en vrai, non, on est au bout là. Au bout de je sais pas quoi, mais visiblement, j'ai traversé. Il manquerait plus que là, il nous reste Vesper et là, je suis au bout. Je dis ça, mais en vrai, je suis trop pressé de le voir, Vesper. Toi aussi, je suis sûr. C'est pas, c'est qui? Et voilà, je vais me faire baiser parce qu'il est là en mode démon, ce gros fils de pute. Je vais le faire devenir démon, moi, tu vas voir. Crier mon nom. C'est exactement ce que j'allais dire, mec, tu lui dois répondre. Tu vois, là, il y a un point de grâce. Attendez, je t'en supplie, fais disparaître. Allez, vite! Non, mais j'ai pas peur, après. Attention, mec. Oh, comment ça fait du bien. Oh non, c'est quoi cette merde? Je suis encore gigalante. Bon, je vais payer. J'ai mis un point de TP. Ah d'accord, ça devait revenir vers le château d'Enzis, visiblement. Oh non. Non. Je sais pas quoi sert ce truc. Il devait y avoir un boss quelque part. Eh Vincent, t'en es où? Vérification 29%, 33. 38. Il a encore duré un peu les choses, hein, le temps qu'on termine la zone et qu'il apprécie tout ça. De bah, toute façon, vous êtes dans une zone où j'ai pas accès, donc je peux pas vous revoir. Mais j'ai mis énormément de partage, hein, si tu veux regarder. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié. Quelle espèce de déglingo. Mais mec, t'as lancé le live, j'étais en train de quitter le jeu, et puis ça m'a mis tellement de temps de quitter le jeu que bah, j'ai oublié de rejoindre le live. Non, c'est pas la zone la plus belle du jeu, mais elle est très obscure, très abyssale. Non, c'est de la merde. Quoi? T'es juste un rajout, mec. Manuel d'artisan fou, c'est bien, le craft on l'utilise tellement que bah, je vais me torcher avec. Bah, dès qu'il me dit, eh mec, j'ai une zone à faire découvrir, c'est de la merde. Ouais, bah toi, je crois que t'as une zone à faire découvrir, eh bah non, tu connais pas le chemin! T'en as rond pendant 10 ans! La dernière fois, on est repassé deux fois au même endroit, j'étais acheté. Allez hop, mais ouais, bah en gros, t'as bien le temps de voir l'endroit pour ta vidéo. Ouais. Donc là, mec, t'as déjà montré quoi, toi qui fuis? Attends, parce que du coup, ici, c'est fermé. Très bien. Regarde Vincent à quel point c'est brumeux et immense. Regarde Vincent à quel point là on est dans une zone merdique. Et moi j'ai essayé de trouver la suite du jeu. Hein. Pendant que toi t'étais parti manger là. Je trouve ça sympa comme zone. Et regarde. Bah, viens un peu Vincent, on verra. Mais tu vois, il faudrait qu'on aille envers le bas. Bon, j'avoue, en vrai, en fait, j'avoue, en termes de style, c'est vraiment stylé. Bon, et alors, c'est... Regarde, ouais. Surtout que ce que tu sais pas, c'est que j'ai dû donc passer par le. Attends. Oh mec, c'est pas ça. Il a réprouvé. Donc là. Il a, en fait, non, il a un peu trop réprouvé à mon goût. Oh. Il est où? Ah bon, ah, on va ignorer les coups. Ah, oui. Ah vrai, mec, les flammes, c'est un peu de la magie en toi. Rien. Mec, c'est sûr qu'il fallait par là, regarde. Non, ça ramène à la cascade. Il est vraiment autiste. C'est quand je te dis qu'il a pas de sens d'orientation. Mais je regarde pas ma carte, moi, mec. Moi, je suis pas un lâche. Là, il y a un site de grâce. Et ouais, le chemin, du coup, c'était vraiment. Château noir, oh. T'avais un truc dissimulé qui te permettait de passer en dessous pour aller au niveau du lac. Puis après tu descendais mon gars, mais avec des mouches de merde, je suis tombé plein de fois. Puis t'es arrivé ici, et là t'es arrivé enfin dans cette zone là. Mais genre vraiment, tu dois descendre dans des catacombes, ça te fait descendre des kilomètres. J'ai pris 4 ou 5 ascenseurs pour descendre. C'est déconné. Je devrais déjà être au centre de la Terre.
Mais de toute façon, ça se voit, hein. Là, la hauteur est immense. Oh, mais mon gars, mais c'est trop pété cette arme améliorée, c'est trop. Pas niveau maximum, hein, je parle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est. Elle est où la fin de ces deux? Dans ton cul. Hein? Désolé. C'est toujours pas aussi top chez toi, l'humour. Hein. Mais je vais t'apprendre, t'inquiète pas. Mec, je suis sur les nerfs. Je m'attendais à affronter Mesmer et là j'affronte ça quoi. Regarde-le, regarde-le. T'attendais à affronter Mesmer. Ah, ouais. T'es encore un putain de lépreux. T'es ambitieux en fait, toi tu veux déjà. Je t'appelle l'hippopotame. Ah oui, alors Vincent. Alors bon, là je vais lui calmer ses radars maintenant que je connais le jeu, mais tu sais, moi des fois je suis un peu rapide sur les jeux. Oui. Ah, dis-toi que lui vraiment c'est un déglingo. Il y a eu plein de fois où oui, je sais, non. Tu l'avais déjà dit. Ah, je t'avais déjà dit. Ouais. Il me saoule à certains moments. En même temps, il y a certaines zones, mec. Non, il n'y a pas de. Il y a certaines zones. Laisse-moi découvrir le jeu. Bah, déjà. C'est mort. Il y a une église là-bas. Hein. Moi, j'y vais. Sauf si c'est l'église du début du jeu. T'as pas envie de t'affronter, t'as pas envie de les affronter, mec. Mais je te vois déjà en train de te débrouiller bien comme il faut. Non, mais c'est parce que je me suis dit, ah, il a envie de découvrir la zone. Voilà, mec, on a trouvé la bâtisse de Mesmer. T'as un gros mytho, mec, j'ai l'impression. Non. Par contre, c'est stylé quand même. En vrai, là, j'avoue, en fait, c'est un peu un côté horreur. Mais il y a vraiment un côté brume et. Ouais, il y a des corbeaux. Non, c'est pas des corbeaux. Il y a vraiment un côté. C'est quoi? Ok, non, ils sont réellement morts. Ils ont des trucs dans le crâne, mais ils ont pas de tête en fait. Vincent, tu vois ce que je vois? Tu vois l'expression que je t'avais dit, tu vois ton Amex? Ouais. Là ils l'ont mis dans le cou là, ils l'ont pas mis dans les... C'est très... Tu me mets dans le combo, mec. Insane. Allez là, le boss il est où? C'est vrai que c'est réellement Mesmer en fait. Merde. Oh non. Oh oui. Putain, ils ont pas fait le ménage depuis longtemps, hein. Mais où est-ce qu'on est? Presbytère de Midra. Mais toi partez, n'approchez pas. Mais toi n'approche pas. Bon, ok, j'arrête. Oh, je vois très bien où on est, je me souviens du trailer. Oh non, mais en même temps, non, yes en fait, si, yes, c'est trop stylé. Mais mec, attends, c'était super stylé avant. Petite fleur, le petit machin. T'es en train de dire, bah attends, mais mec, tu viens de te contredire de ouf. Non, non, mais les deux sont stylés. Il dit quoi, lui? Soyez la bienvenue, ô invité inattendu. Mais avant que vous n'avanciez, je dois vous avertir. Retenez bien les paroles de notre illustre maître, Midra. D'accord, du coup, c'est Midra qu'on doit péter sa tronche et on doit aller où là? C'est Indra dans... Non, c'est une rêve que... Et là, du coup, on fait quoi? On va dans le château. Je sais qu'il est encore moins visible. Mec, j'en étais mon... sûr. Mec, comment ça t'as été sûr? Je vais le frapper. Bah, ce tableau était beaucoup trop lumineux pour... Je parle du fait que je t'ai vraiment dit au moment où il y a un mur invisible, t'as tapé le tableau, quoi. Non, t'as rien dit du tout. Je vais... Vincent. Pour une fois, pour une fois, j'ai un témoin. Ah, excuse-moi, j'ai pas écouté. Merci, non. Ok, allez, hop. Non, mais alors, je suis sur le jeu, sauf que le problème, c'est que ça fait longtemps que j'ai joué, que je ne connais plus les commandes. Ah, rabis-toi un peu. Mais normalement, au début, il y a un didacticiel qui t'a dit... Oui, mais moi, j'ai déjà passé le didacticiel. Je vais pas me refaire un personnage, sachant que je suis qu'au début. Si. Non, mais de toute façon, tu peux le refaire à l'infini, le didacticiel. C'est réellement t'as besoin. C'est... Tu retournes, tu vas au point de grâce. Ah oui. Comme tu dis, mec. Ah, les. Ah, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? Les bibliothèques, elles ont bougé, mec. Voilà ce qui se passe. Là, l'échelle. Monte! Monte, Georgette, comme si ta vie en dépendait. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Mais comment ça, les. Mais. Ah ouais. C'est vénère, mec. C'était ma manière de m'exprimer. Il est pas très doué de parole, hein, tu remarqueras. C'est depuis que Eren va passer de... Eren Yeager. C'est ce que j'allais dire, non. Trop bien, mec, on fait les mêmes blagues de merde. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ah, ma soeur a dit que Weshden était belle, vous êtes tous d'accord, j'imagine. Qui ça? Weshden. Ouais. La soeur prend Weshden comme référence, ça m'inquiète. T'as dit quoi, toi? Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi elle a loupé son bac. Hein. Oh! Non, parce que j'ai pas été déjà. Elle est fière en plus. J'ai pas été.
Ah parce qu'elle nous entend parler en plus. Oui. Allez. Tout le monde nous entend. Je vais son père. Entendu. Alors il y a Josué, il y a son frère, sa sœur. Il y a un poisson rouge aussi. Ah, il y a des grains. Ah, elle est où? Elle est où ta putain d'échelle? Je suis tombé et je suis dément. T'es con surtout. Quoi? Allô? Je vais te rebouffer des bras. Il fait ta taille. Quoi? Vincent là, je sais pas. Non, c'est pas Vincent, non, c'est Vincent Niel. Par contre, ça me trigger vraiment ta soeur là, on pris Weshden en référence. D'abord, on parle même pas. Tu Non, mais Sean, tout le monde te critique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'écoutes du Weshden, tu baisses dans mon estime. Mais j'écoute pas du Weshden, je les ai quand même. Pendant que moi je baise mon estime. Non, c'est bon. Merde. J'avais encore pas une bague de merde. Mec, t'es où? J'en ai marre. Je te suis depuis 10 ans. Je suis tombé. Mais t'inquiète, j'arrive, mec. Oh! Après la lettre O, c'est quelle lettre? Mec, est-ce que t'as récupéré le. Non. J'ai pété un crâne. Un crâne. T'as récupéré ou pas le truc de la femme éclatée? Oh là là, non, mais ça c'est dégueulasse. T'as l'autre qui est en dessous qui a réussi à me taper avec sa magie, quoi. Mec, j'ai l'impression que t'es vraiment malhonnête. Merde. On dit un mot aléatoire, c'est une flamme. Ah bah ça a été arrivé là où j'étais tout à l'heure, je crois. Ouais, là il y a un gros fils. Il y a pas un pièce de merde, mais que tu aurais pas dit, j'espère. Non, normalement il y a juste un endroit avec des rats. Et c'est un peu la galère. Bah, c'est bon en fait, j'ai plus envie d'y aller. Par contre, voilà, c'est à dire que si tu tombes, tu tombes quoi. Genre, je meurs quoi. Il y a vraiment ça. Et tu vas prendre grâce, tu vas m'aimer. Voilà, parce que j'ai la flemme. On entend quand t'actives les. C'est pas vrai. Non, mais là il y avait trop de rage, j'ai pas envie de me prendre tous les hits là, je suis déjà mort une fois. Allez, j'aimerais avancer. Non mais t'inquiète. On commence à avoir l'habitude. Ouais, moi aussi j'ai l'habitude. Toi aussi t'as la. Ah c'est shifté, d'accord. Comment quitter? Putain, pas compte. Attends, est-ce que t'as ce que je viens de dire là? Non, même les boutons pour quitter le menu paramètres, il est compliqué. D'où pour quitter le menu pause, il faut appuyer sur A, normalement c'est sur échappe. Ah oui, bah c'est pour ça que je joue à manette. Attends, mais quoi? Attends, mais quoi? Mais mec, mais non. Quoi? Ah bah oui, parce qu'il joue. Je suis un attardé mental. Ah oh, ouais. Ah bah oui. Vos gueules, je veux même pas vous entendre en fait. Retournez jouer au clavier là. Non, si t'es tombé, ça va être bien fait. J'en peux plus! Comment ça, fruit en flemme? C'est ton anus qui va être enflé, mon gars! Ah bah là, ça va être le tien, non pas longtemps. Oh la vache! Non, je parle du tien, Vincent, t'inquiète. La vache? Ou ça, y'a une vache? Attends, y'a une vache qui a le cul enflé? C'est bizarre comme projet, les mecs. Y'a Mesmer! C'est faux, y'a pas Mesmer. Non. Par contre, y'a une immense bibliothèque qui a cramé. Mec, t'as un problème avec tes bibliothèques d'hôpital, j'entends que mon bibliothèque, tu vas me faire devenir fou. Ah super! Les mecs, ils ont trace que des bibliothèques! Tu appelles ça comment? Une bibliothécaire. Ouais, marrant. Pensant une moi. Ah, passer cette zone de merde. T'as fait comment? Bah attends, mais mec, je crois pas. T'as fait comment pour passer? T'es pas juste allé sur le côté, dis-moi. Ah, je suis parti en bas. Là. Alors là, il y a un tableau, j'imagine, du mec qu'on doit déglinguer. Ah, et derrière, il y avait un mur caché. J'en étais sûr, je commence à trop bien connaître ce jeu, mon gars. Mec, je sais. Mais où est-ce que. Je suis en bas, je suis vraiment. J'étais en bas là où t'étais aussi, mais je sais pas où est-ce que t'es parti. Ouais, mais je veux dire, t'es parti par une espèce de porte. Ah, non, derrière. Attends, t'es où? Ah, mais on est revenu. Ah! Ah, ouais. La virilité. J'ai fait semblant. Me fascine, mec. Fais semblant! Psst. Oui. Je te rappelle que moi, j'ai pas eu peur face à. Un mec, t'as eu peur face à quoi? Ah oui, face à un mec qui était rentré chez toi. T'as vu comment le gars galère à se trouver des trucs qui n'existent pas? Bah, tu veux que je monte l'extrait? Tu veux que je le mette fort là dans je les sais oreilles? Même de pas de quoi tu parles, mec! Tu sors des trucs random! Bah, ok, bah, alors là, je mets l'extrait tout de suite. Mais de quoi?
du mec qui était... T'as eu peur d'un mec? Le mec a ouvert la porte. Ah, dans Fear sous Phasm. Putain, mais mec, il te sort un truc. Et le mec qui est rentré chez toi. Le mec qui sort sans contexte, sans rien. Pardon. Mais oui, je fais exprès de dire sans contexte. C'est le contexte, c'est nul. Oh, je suis, j'ai trouvé. Il y a un levier normalement à bouger. Parce que là, je vois que les bibliothèques, elles peuvent être déplacées ici. Ah, t'as trouvé, mec. Putain, mec, t'es utile. Non, mais Vincent. Oh, oui. Et après, on se demande pourquoi je suis con. Pourquoi je suis con? Bah non, on se demande pas là, on sait. Bon, ok, je vais t'apprendre un truc. 2 plus 2, mec, ça fait 4. Waouh, merci, mec, j'étais pas con. Moi aussi, j'ai eu mon bac. Torche de Nanaya. Torche de Nanaya. Oh non, on est vraiment dans cette zone là. C'est quoi Nanaya, mec? Je pense que tu sors, toi. Josué, j'ai envie de te frapper. Qui là, toi? C'est qui Nanaya? C'est quoi Nanaya? Ah! Je cite, je ne crie pas comme ça. Il fait 3 mètres! Seulement? Non, 6 en fait. Mais il est géant, ouais. Quoi. C'est le géant de feu. Et vu que je suis un amour, tiens, je te débloque le point de grâce. T'es trop une belle personne, mec. Ça paraissait tellement pas sincère. Je suis désolé, hein, c'est du mal à sortir avec plus. Moi. C'est toi qui est. Skill, mais qui a pas gueulé. Mec, dis-moi que t'entends. Oui, j'ai un. Ok, mec, t'as entendu l'arène de boss. Qu'est-ce qui se passe? Le boss, ouais, d'accord. Ah, j'ai pas réussi. L'étendue de notre folie. Ah. Pourquoi il y a des screamers, mec? Je cite, je ne crie pas comme ça. Non, mais là, je fais exprès. Exprès. Ah, je peux pas ouvrir ma carte, je peux pas me TP. Ah, ouais, je fais semi-exprès. J'ai réellement eu peur, mais je pense que j'ai un petit peu trop pensé sur le cri, tu vois. Vous dites, j'en fais trop, les gars. Ouais, t'en fais trop. Vincent, ouais. Vincent! Mais pourquoi je dis Vincent? Mais mec, j'ai un problème avec Vincent. Putain, j'allais pas être crié Vincent alors que le pauvre il a rien fait. Josué, ramène ton cul. Viens battre le boss. Oui, j'arrive. Je me... Non! Je me suis planté! Ah! Je suis tombé tout en bas. Il se bat avec sa colonne vertébrale, mais tout va bien. Ses côtes elles sont explosées, il m'attaque avec. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Mais non, mais je suis tombé. J'ai voulu récupérer un truc sur un chandelier et le chandelier m'a vu. Quoi? Ouais. Mais je peux pas me TP avec le site de grâce, c'est normal, mec. C'est parce qu'il y en a pas. Oh, c'est quoi ça, cette merde? C'est quoi ce mob de merde? Non, mais attends, mais. Je comprends pas, c'est la haine de boss, mais on a... j'ai dû affronter un mob qui fait. Mais il fait grand. Ah, je sais pas ce que t'as activé, mec. C'était une couille. Ils nous ont trollé, en fait, c'est un réel boss. Non. Par contre, si je suis pas avec toi, mec. Seigneur. You're gonna die. Il a une corne, mec, c'est une licorne. Non, c'est pas une corne, t'as pas vu c'est quoi? Regarde bien ce que vous c'est, avez mec. Tout ça en plus devant. Mais non, le pauvre, il était là, il me suppliait de pas le frapper, je l'ai frappé. Oh, ça va être une arme. Oh. Non, surtout, t'as pas... non, mec, t'as pas vu c'est quoi son arme? Vincent, tu regardes aussi? Ouais, j'ai. Mais t'es pas prêt, moi j'ai vu. Ta c'est... gueule! Laisse-le faire. Laisse-le faire. Bah là, c'est mon incision. Oh, c'est cette colonne vertébrale. Ah, il s'est peut-être tiré avec. Il ressemble à quoi là? T'as aussi sanctuaire? Ouais, y'a rien eu. Un écran noir. Oh, il a sorti, ouais, il va plus avoir de tête. Non, mais sans déconner, avec l'arbre qui est en dessous, comment il se l'est sorti sans s'arracher la moitié du corps? Bah, à mon avis, c'est arraché. Oh, what the fuck! Je suis comme moi, mais ça. Wouah! Là là! Je vais chialer! Ah oui. Non, je t'entends pas, là, je vois un bug! What the fuck, quoi? Y'a sa tête au bout? Je sais pas, mec, c'est trop stylé. De toute façon, tu peux pas me dire que ça s'est pas signé quand même. C'est le meilleur jeu de la mêlée. Moi, ce que je comprends pas, c'est la réaction d'Aegon alors qu'il nous a dit tout à l'heure qu'il... Pourquoi maintenant je suis avec toi? J'étais pas prêt! Maman... C'est quoi la réaction d'Aegon? J'ai pas entendu. Bah, en fin de compte, t'étais vraiment genre étonné comme si c'était la première fois que tu le voyais. Alors que, bah, tu l'avais déjà vu. Ah, mais non, mais parce que, vu que t'as pas vu, parce que tu regardais j'ai plus son nom, Josué. Mais en fait, de base, tu vois, lui, je l'affrontais, mais comme si c'était un mob. De 1, il avait pas la barre du boss.
il ressemblait à rien, il faisait 2 cm, on aurait dit Gollum. Et en fait j'avais cru voir sa colonne vertébrale en tant que... Ok, ça s'appuie. Cours. Cours Marie. Il m'a one shot là, je sais pas. Mais Marie, je sais pas. Mais mec, je me suis éloigné de fou, il m'a one shot. C'est bon, je vais pas te brûler. Quel connard de papy. Il ose dire qu'il a... Non mais prends, je suis désolé, mais il a vraiment un style de bâtard, mon gars. Oh, il a pas de tête sur toi. Hein. C'est la seule chose qui t'inquiète. C'est la seule chose qui t'inquiète. Wouhou. Pardon. Dans une sorte de cathédrale en plus. C'est la salle commune d'Harry Potter, mec. C'était quoi du coup son nom? J'ai peur, mais j'ai pas pu voir. Bah ouais, mais du coup. Ah non, c'est bon du coup. Ah, il m'a envoyé là. Quoi? Parce que moi j'étais pas là. Presbytère. Hey, il presse des bites ou quoi? Je suis désolé, Vincent, pour ce moment, mais. Non, là, ouais. j'avoue, je fais exprès. Regarde, voilà, regarde, tu vois comment il est? Moi, je voyais comme ça. Et regarde, vas-y, mets-lui des dégâts pour que tu rigoles un petit peu. Et d'abord, mets-lui des dégâts. Voilà. Là, là, il pue la merde. Là, il fait limite pas le cœur. Ah oui, d'accord, ok. Bah alors, Gollum, il va faire quoi? Bah alors, espèce de petite bite. T'as une bite à la place du cerveau? Non, ça c'est moi ça. Bien, c'est... Attends, mais par contre, il est bugué là. Non, aujourd'hui tu as encore fait bugger. Mais non, moi j'ai rien fait. Hein. Je fais genre, mais c'est vrai qu'il est boss à chaque fois. Je ne reconnais pas le calvaire avec. Pourquoi moi alors je t'ai pas attaqué? Mais comment ça? Moi je suis mort, je suis en démence. Mais du coup, je peux pas invoquer ma cendre. Et mon gars, il m'en veut. Je sais pas ce que j'ai. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait à ta famille? J'ai juste tué ta fille, mec. Pourquoi je fais de la comédie comme ça? C'est moi qui regarde, c'est moi qui regarde. J'ai envie de mettre des dégâts de baiser, toi. Enfin, c'est marrant de dire c'est toi qui regarde, parce qu'en fait, il a pas de tête. Maman, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie de le taper? Oh, t'as dit ça, t'en as connu. Non, mais viens là, je peux lui mettre des damage. Ah, il me regarde moi maintenant. Pardon. Je pensais qu'il avait encore foutu sur toi. Wow. Il a un trou noir à la face de la tête, mais tout va bien. Ah, est-ce que tu penses que son agneau ressemble à une chose? Genre, je mets des dégâts de feu alors qu'il est déjà en feu, le pauvre. Ah oui, mais les dégâts de glace. Pardon. Bah vas-y, j'essaye. T'es gado, mec. Oh mais vraiment en plus! Josué, je t'aime, je t'aime. Josué, je te déteste en fait. Je te déteste! Attaque le bas! Non, il veut m'attaquer moi! Oh putain. Voilà. C'est quoi? J'avais même plus à le voir. Pourquoi je me suis soigné? J'ai paniqué. Putain, le jeu est ultra facile en réalité. Arrête de lui mentir comme ça, il a déjà joué. Ah mais il a battu un simple mob. Ah non, oui tu parles du... Oui bah oui. Bon après, est-ce que Pokémon c'est considéré ça comme un boss, mec? Je parle du chevalier là, à cheval. Y'a pas une invocation à côté qui pourrait nous aider? Comment ça, mon ref? Tata mimique, mec. Qu'est-ce que tu viens de plaindre? Tata mimique. Mais non, justement j'ai pas pu l'invoquer moi, il voulait pas. Non, arrête. Bah non, il voulait pas. Bah vas-y, je vais essayer s'il veut. Bah pourquoi t'as eu peur? Je vais t'enculer, je sais. Mais merde. Je vais tuer ce gars. Bah vraiment, pour faire plaisir, je prends les TP de Radan et uniquement pour faire plaisir, hein, c'est pas du tout pour faire. T'as vu ce que je me mords ou pas? Ah, ok. Non mais tu vois que t'as vu. À part le faire voler, je crois pas que tu fasses beaucoup. Ouais, j'ai pas pu faire super bon, j'ai tué. Waouh, 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 ah, ok, d'accord. En fait, il a crié, il a enlevé. Ah!
Il lui est arrivé, il a gueulé dans mes oreilles, mec, il m'a violé. Je suis mort, du coup. Il a un problème, ça. Mais je sais pas pourquoi, moi, je peux plus invoquer ma cendre. Non. Par contre, je comprends pas des fois les damage. Je... Oh non, je suis... vu que c'est ta game, je peux pas passer à la cinématique. J'arrive, hein. Comment ça, j'arrive? Je peux pas me faire au pop. Bon, j'imagine que je devrais voir un boss, hein, non? Je crois que c'est bien. T'as une cinématique, mec. Bah, la cinématique, oui. Attends, tu vois quoi là sur ton écran? Je te vois, toi, en train de marcher sur place avec ta mimique perdue et toi en train de boire une potion, visiblement. Bah, t'inquiète pas, mec, tu vas bientôt le voir. Tu vas voir, il est magnifique. Peut-être parce que tu l'as déjà eu. Mais bon, du coup, je vais garder, je crois pas. Où est passée sa tête? Mais pareil. Vincent, t'as encore pris la tête du vieux monsieur? Tu vas la rendre. Comment? Il se fait embrouiller. Il suit même pas le truc depuis tout à l'heure. Non, je joue de mon côté, moi, je vous attends, mais... Ah ouais, bah... Non, mais je vous laisse faire le DLC. Moi, je m'entraîne un peu, du coup, de mon côté. Oh, ça a bientôt fini, la cinématique, ou c'est buggé de mon côté, là, à jamais? Ah non, c'est toujours buggé, là. Je sais pas où tu m'as appelé Raid. Donc là, du coup, c'est de mon côté ou c'est cassé, quoi. Non, mais attends, la cinématique, elle est toujours là, hein. Là, il est en train de faire le... Il a sa tête en mode flamme, là. Ah là, vas-y, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule, espèce de sale gitan. Pardon. Ouais, non, tu vas le voir, là, dans 30 secondes. Voilà, tu le vois, là. Ah bah, moi, je le vois bien, il est en train de niquer ma mimique. Quand je dis il la nique au sens littéral, genre, il... Pourquoi t'avais pas besoin de... En vrai, mec, je vais essayer de rejouer le saignement pour celui-là. Pour une fois que je vais péter quelque chose de sérieux. Ah bah alors! On fait de champ le malin là, le vioc! Et là, il y a une phase 2, mec, on va rentrer dans notre vie. Ouais! Ouais, rien du tout! Il a dit un ouais, il nous a calmé direct. Pourquoi il est allé vers moi pour s'exploser là? Et c'est parce qu'au début je croyais qu'il allait vers moi et il a rentré sur les navires, il a fait non en fait non je comprends pas j'allais sur lui. Merde, s'il me soigne pas là. Mais en fait je trouve pas si difficile que ça en réalité. Oh. C'est vrai je jouais ce fantôme. Ouais. Je trouve ça bizarre mais tu joues pas à l'épée de Malenia. Ouais, mais je suis tellement un coup au saignement. Mais mec, ça joue saignement, mais je vais l'insulter. Il se franchit même pas sur les arbres. Non, mais n'esquive pas vers moi. Je suis mort. Voilà. Et voilà. Tu vois, je t'avais demandé de prendre le hit. Mais non, monsieur, non. Bah, tu sais, c'est à cause de gens comme toi qu'on n'arrive pas à faire. Même heure. Dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. Tiens. Mais gros, tu prends pour qui? J'ai déjà battu Radan. Tu te prends pour qui? Tu avais tué Radan. Ah voilà, c'est parce que Vincent il vole la tête des vieux monsieur. Mais... Démence. Bah attends, je vais montrer ce quoi la démence dans la vraie vie. Moi, ouais, sans une démence, on que... savait déjà. Ah, j'ai rempété mon micro pour une fois. Ah, ça y est, enfin. On va plus l'entendre. Ça va faire du bien, ça. Pourquoi? Et il a pété son micro. Il a pété son micro. Y'a vraiment un bruit de bouche, moi, à côté, gars. Ouais, j'ai pas de boire du coca, mec. Je me drogue au coca, tu comprends ça? Arrêtez. T'as toujours un problème avec ta dent, d'ailleurs? Avec quoi, t'as dit? Ta dent. Oui. Mais en même temps, je me dis, ouais, je suis un peu trop con. Ouais, fais du soigné avant. Voilà. Alors, petite salope, là! Hein, tu me donnes de l'argent en plus, tu l'as toujours pas rendu. Et voilà, là Vincent va lui voler sa tête, et du coup le vieux monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas être content. Et voilà. J'espère qu'il est content Vincent. C'est trop bon mec, si on avait créé un... Oh mec, t'es sérieux?
J'ai esquivé tout. Et comme par hasard, maintenant je me prends les coups. Hein. Je comprends pas quand tu peux avoir facile contre la meuf avec ses vieux papillons de mort. Mais bon, contre lui, mec, tu galères alors qu'il est. Mais t'as vu le nombre de coups que j'ai esquivé? Ah ouais, ce qui me plaît pas avec lui, c'est qu'il se retombe pas tout de suite. Du coup, il me nique un peu marrant. Ouais, bah voilà, pareil. Parce que Godfrey, mec, c'était. Allez! Non, mais t'es pas mort, mec. Génial! Oh, j'en avais plus rien à foutre. Oh, j'avais plus rien à foutre, je voulais juste le frapper. Ce qui m'est arrivé, bah, c'est la phase. Du coup, Vincent, t'as battu un boss là? Ah non, j'essaie juste de me battre contre les gus là du premier camp qu'on croise là. Ah ouais. Mais rigole pas, c'est pas facile en vrai quand t'es au tout début, mais même moi je galérais. Ah, surtout que c'est mon premier jeu Elden Ring où. En plus. C'est pas ça que je rigole, mec. Moi ce qui me dit, c'est pas pour envie qu'il m'anime. En fait, je rigole parce que je sais ce qui arrive juste après. C'est quoi? Ah oui, mais ça c'est une autre histoire. Ah, le boss là quand tu passes l'arche? Non, ah non, mais ça c'est ça qui est marrant, c'est que lui c'est pas un boss. Ah non, ouais, non, ça c'est pas un boss. Le grand truc qui monte là avec un trou dans la cage thoracique? Non. Bah lui, tu vois, c'est pas un boss. Lui, c'est un. Non, quand tu verras un boss, Vincent, tu diras. Ah oui, comme celui qu'on a en train de faire. D'accord. Tu vas très vite comprendre. Non, en plus, ce boss-là, il va être ici. Et j'ai trop hâte qu'on le repasse en vrai, avec Vincent en plus. J'espère qu'on parle vraiment du même. Purée, mais bien sûr qu'on parle du même. Dragon. Ah non, on parle pas du même. On parle pas du même. Ah oui, encore avant. Ouais. Oui, sympa, c'est le premier boss. Mais moi j'ai hâte encore d'après. Parce que lui il est vraiment. Oui, mais je sais, il est vraiment. Il est dans tous les sens du terme. J'ai pas terminé la phrase. Je le déteste en fait. Tu vois, au début je l'aimais bien. Et bah là il est là. Ah d'accord. J'ai pris une petite baffe comme ça, ça lui a pas fait du bien. Ouais, mais mec, il se prend pour une danse des étoiles, frère. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me soigner, mec. Ça sur 6 km de long, ça me saoule trop, mec. Ça me saoule trop. Et surtout, ce qui me saoule, c'est pas pour invoquer ma sonde de guerre, quoi. C'est ça, m'aide tellement à chaque fois dans ma sonde parce que ça me permet d'avoir un petit tampon, mec. Je comprends pas l'hippopotame qui était plus simple que lui. Non, l'hippopotame, c'est très bien ce qui s'est passé. Arrête de le comparer à lui. Alors, il faut savoir en ce moment qu'au-delà d'où il mode, il y a un autre truc pour feinter directement dans le jeu avec le bot cop. C'est en fait, si tu utilises un point de grâce, et ben en fait, ça va stun le mob. Bon, il est probable qu'il y ait 1, 2, 3, 4 mobs qu'on ait fait comme ça. Ou en partie, on a mis mid-life et. Non seulement il y a un hippopotame hérisson. Tu sais que je suis allé voir sur internet, à un moment donné, il disait que c'était l'un des boss les plus compliqués à faire. Là, j'ai repensé à notre vieille technique. Et là, j'ai fait oups. Oh non. Attends, tu as trouvé si difficile que ça, toi? Hein? Tu as trouvé si difficile que ça, toi? Non, bah après, il était un peu chiant, quoi, surtout sa seconde phase. J'ai besoin de toi, mec, il veut plus me lâcher. Mais j'ai un écran noir, en fait. Quoi? Mais en fait, il tellement, j'ai pas le temps de. Qu'est-ce que je fais moi encore? Je suis pas là, je m'en prends du gratos. Si Vincent, t'as volé la tête du monsieur et maintenant il est méchant. Rends-lui sa tête, Vincent. On sait que c'est toi. Ça va d'être kleptomane comme ça? Putain, je vais remourir parce qu'il gagne. Hors blague. Mais je comprends pas. Pourquoi on est réapparu directement après lui? T'as cheaté? Mais non! C'est moi qui l'ai tapé, qui suis parti. Ah! Peut-être est-ce que je suis allé trop vite et que t'étais en train de charger encore. Ça, t'as compris. J'avais pas compris, mais que ça m'a fait bugger. Mon cerveau, il a bugué. Ah, mais putain. Bah ouais, Vincent, mais il faut assumer les conneries. Donc maintenant, tu rentres, c'était. J'ai bien trop chier. Ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est ce peu, il comprend toujours pas de là où on en est. Non. C'est insupportable. Je n'y arrive pas. C'est vraiment, mec, il est lent et des fois j'ai l'impression qu'il va me taper puis il ne tape pas. Et puis alors, toi, t'es à tataouiner les bancs, frère.
D'habitude, si on se fait des passes avec le boss, le mec se touche et fait un barbecue au fond de la zone. C'est pas ça, c'est que... c'est pas ça, c'est que lui, même quand je le tape, il se traîne pas tout de suite. Il continue à taper, il fait « Attends, attends, deux secondes, d'abord je nique vite sa grand-mère. » J'en reviens, j'en reviens. Je te promets, après je suis à toi. Et après, bah, il est à moi. Je sais ce que t'as mis, des gars, ça va mal se finir, si ça. Josué, il faut respirer. C'est pour ça que je vais jouer l'arme de Malikette. Allez. Field Magic in the air. Allez, plus jamais. Plus jamais, mec. Je dois te kick. Ça t'a rappelé un truc au moins, j'espère. Oh ouais, sacré souvenir. Il a pas zoomé, lui. Alors, on assume pas, hein? Alors, on assume pas, bébé? Mec, à deux heures, il va être une torgnole. Ça se passe à chaque fois de la même manière. Et bah alors, bon, mec, vraiment, je pense que c'est un des boss qui m'a le plus troll dans toute ma vie. Déjà parce que j'avais pas capté que c'était un boss. Waouh, la transition, je t'ai vu te faire fracasser alors que j'étais en contre. Je suis mort. Eh oui. Génial. J'ai vraiment esquivé, j'ai fait c'est bon, il m'attaque pas, je peux me soigner. Et il m'a déglingué, je dirais. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il est méga lent, et des fois t'as l'impression de te dire t'as le temps, et genre juste à ce moment-là il te déglingue. Et genre juste à ce moment-là il fait une attaque en mode dans ses étoiles. Voilà, ouais, exactement ça. Mais avec cette flamme chiens. Aussi, ces flammes sont trop chiants. J'aimerais tester. Vincent, viens nous aider, bordel. Mentalement, je crois. Qu'est-ce qui vient de s'ajouter en boucle, lui? Connais les trucs par cœur pour. Alors, ne t'inquiète pas. Hein. Ça passera inaperçu. Mais normalement, ça devrait aider. Ouais, non, ça passera inaperçu. C'est sûr. Du coup, question Wiimote, ça s'applique sur quoi? Sur Elden Ring ou sur le DLC d'Elden Ring? Les deux. Bah, les deux, hein. J'ai l'impression qu'il a envie de cheater. Il y a ma barre de vie, Vincent. Il me met des attaques moindres. Qu'est-ce que j'ai bien pu aller faire? Je sais pas, t'as augmenté ta résistance? Ouais, la défense. Ah, t'as augmenté ta défense? Ouais, c'est la défense en fait. T'as pas vraiment augmenté la vie ou quoi. Tu peux augmenter l'attaque. Tu peux le mettre en mode de god, tu peux augmenter la défense, ça permet de... T'imagines tu one-shot les boss un coup. Ouais, t'imagines, c'est pas du tout ce qu'on a fait tout le long du jeu. Allez, okay. Non, il y en a seulement deux qu'on a fait comme ça. Trois, pardon. Non, deux. Ah oui, non, okay, Malikette, Malikette et Godfrey. Parce que Malikette, vraiment, en mode cop, ils étaient complètement cassés. J'espère que ça ira d'ailleurs à trois, parce que... Bah, ça dépend si ça adapte à plusieurs personnes ou que comme si on était à deux. Je sais ce que je veux dire. Par contre, Vincent, le jeu était des hardcore de base, mais là tu vas voir que. Je sais pas pourquoi ils se sont dit, ah bah vu qu'ils sont deux, on va augmenter les boss. Je trouve que c'était pas encore assez difficile. Merde. Bah non, je tiens, mais je suis de la force. Tape-le maintenant. Parce que les boss sont pensés pour être faits seuls. Oui. Si tu le fais à deux, du coup ça. Enfin, le jeu est deux fois plus facile en théorie. Vous avez vu, il y a le DLC d'Elden Ring qui a été fini au saxophone. What the fuck. Et des gens ils vont pas bien dans la vie. Je vais tuer des gens. Donc. Saxophone quoi. Mais mec, regarde comment il s'en prend à moi. Il a même harponné avec son truc. Mais il t'aime bien, mais qui t'aime bien. Mais toi, bats-toi au lieu de te balader à chaque fois. Non, c'est dans ses étoiles, arrête. Je suis prêt, t'as ouvert ta gueule. Ouais. Tu sais Vincent, quand on a commencé Elden Ring, je le connaissais un peu plus vaillant. Mais depuis au moins la moitié du jeu, c'est devenu une flippette. Oh mais t'as vu l'arme de Godfrey, ce que je viens de lui mettre? J'ai pas fait gaffe. Vraiment, je suis tellement... J'en ai marre de lui. Depuis tout à l'heure, tu me dis ça, j'ai pas fait gaffe. Et je suis concentré à essayer de pas mourir parce qu'il était concentré que sur moi. Bon là, il en fait un peu sur toi. Là. C'est quoi les PC? C'est la PV, PC. Ah, les points de PC, c'est... Non, j'avais fait un bug de merde, mais je sais pas. C'est le PC. Oui, ça veut dire post computer sinon, mais. Ah, des PC, c'est tes points de pouvoir quoi.
Fais genre ça t'a aidé. Et dans les trucs à loup, la défense là-dedans? T'as pas de défense. Bah c'est quoi ça, tout à l'heure t'as augmenté ta défense, c'est avec quoi? C'est pas que les... Ah c'est peut-être dans les stats d'armure là. T'as les stats d'armure et après t'as les niveaux aussi qui peux augmenter. Putain mais j'y arrive pas, hein. Il me met en démence, il m'enflamme, il me tape. Y'a plus rien qui va. Il est passé dans une phase, là, je ne saisis pas. Ah non, est-ce que je trouve plus difficile que Malenia? Non, parce que Malenia se soigne. Lui, au moins, on voit sa barre de vie descendre. Il a tapé qu'un coup de bâton. C'était si ridicule. Il avait pas de pouvoir, il a juste fait... Pouk sur ton crâne. Le crâne à Malenia, en plus. Il lui pile dessus. Regarde-le, regarde-le. Le coup de bâton. C'est ton père, mec. Oh, mais... C'est ça, c'est ça. Décale. Waouh, mec, j'ai eu trop peur. Je l'ai vu en train de prendre sa potion. J'adore. Bah, moi, je vois ce qui se passe et j'aime pas. J'ai mal. En vrai, Zane, il met pas tant de dégâts que ça. Ouais, ouais, hein. Non, mais regarde, ça permet de le faire de façon un peu près d'Edgy, mais un peu plus facile, je trouve. Putain, mais je esquive la moitié des coups, je vais quand même mourir. Je vais mourir. Ah, saute-toi! Je suis mort, je suis mort. Je suis putain de mort parce que le mec t'arrive pas d'attaquer! C'est dingue ça! À un moment donné, faut reprendre sa respiration! Faites un coup! J'ai envie de préciser une phrase, mais j'en préciserai juste après. Mec. Et t'as des gens qui font ça au saxophone. T'es le meuf dans le tube. Et toi, tu le fais avec plus mode. Oui, je galère. Les gens sont des malades. Machin hérisson là comme un peu. Wow, okay. J'ai plus de potion de soin, hein, je tiens à préciser. Moi juste celle-ci. Bah bon, je reste pas. Hein. Mais on en parle du nombre d'attaques, les dégâts de zone. Oh putain. Moi j'arrive pas à attaquer, je sais pas ce qu'il a fait mon personnage. Et jamais il tombe à terre, hein. Jamais il tombe à terre. Jamais il tombe à terre. Regarde-le. Pouk, pouk. C'est ridicule. Même avec Kimball, j'aurais pas réussi à faire quoi. C'est insane. Est-ce qu'on peut discuter du combat de chien que je viens de faire quoi? J'ai qu'une seule chose à dire, mec. Il fait des flammes de partout, frère. Même ça si... va, je trouve un peu plus facile. Permettez-moi, parce que je suis un noob. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Non, arrête avec Winmode, après tu pourras pas faire de vidéo sans lui. Si, ça passera totalement. Là, je me bats. C'est non, reste mais... acceptable. C'est juste moi avec beaucoup de résistance. Non, mais à un moment donné, il y a les gens qui font le saxophone et il y a les gens qui font avec Winmode, ok? Il y a deux niveaux de talent. Moi, j'en ai pas! Au secours! Saxophone, saxophone. Oh, et votre saxophone, vous pouvez pas vous le mettre dans le cul et souffler avec. Ah oui, bonne idée. Comme la cornemuse, mec, comme la cornemuse. Je vois que Thomas est adepte. J'ai entendu. Oh, il est jamais tombé à terre. Hein. Non. J'ai envie de tenter ces dégâts-là contre lui, mais à tout moment ça marche pas. La merde. Je vais vraiment changer d'arme. Allez Josué, tu peux le faire. Là si je le bats pas. J'ai mis le truc de dragon de manquement. Non mais c'est bon, après je peux plus le mettre. J'ai oublié, je peux que c'est une fois. Je
J'ai l'impression que t'en veux un peu, je sais pas ce que tu as fait, mais t'en veux. Mais nique ta mère la pute. Et il me dit ça et il vient tout de... Ah putain, j'ai pas aussi à le mettre. Mais non, mais mec, comment je peux être aussi à côté, MP? J'ai l'impression que toi t'es en panique aussi, mec. Non, mais non. Ok, ça, ça pue. Non, non, t'inquiète. J'ai mal. Non, non, t'inquiète. Prends pas de tes mecs, toi. Pourquoi tu utilises pas ma maliquette, mec? Je l'enlève. C'est vrai. Je lui enlève mon cœur de vie. Au lieu de jouer toujours ta même arme là, bah oui, bah voilà. Il m'a chopé. Et pourquoi tu utilises pas l'arme de Malenia aussi? Je sais pas. J'ai vu le cul ton perso là tout à l'heure. J'ai vu le cul ton perso à travers ta cape. Et oui, je suis heureux. Je vois ça. Que Malenia elle est bonne. Peut-être pas en fait. Trop facile le boss. Oui. Parce que tu disais, Josué? Non, non, t'as pas dit ça. Non, si je suis honnête, t'as dit. Ça va, je trouve que j'ai un peu plus facile. Voilà, la facilité en question. Toi, Egon, je veux te voir faire le DLC tout seul. Bah vas-y, je vais te... Je me souviens que le mec chialait parce qu'il arrivait pas à faire l'histoire du jeu et était content que je vienne l'aider. Non, alors mec, même toi, t'as pas réussi le géant de feu. Oui, mais le géant de feu, c'est encore autre chose. Et là, je sais maintenant comment t'aurais fait sans moi. Hein. Ah non mais c'est lui mec, c'est... j'ai réussi tous les boss sauf lui. Non mec, il te donne des vieux coups de couteau là. Je te défais ce boss, regarde-le. Regarde-le, il est content en plus. On a un hippopotame frippé, un vieux papy frippé. C'est ça. Eh ouais, mais ils sont tous badass pour autant tu vois. C'est vrai que c'est envoyé sans problème. Attends, l'hippopotame tu as trouvé badass hein? Non, mais lui ça va encore. Non lui en vrai, non lui il est ultra. En tout cas, beaucoup plus stylé qu'un mec qui se fait frapper en bout. Et non, je vais pas faire autre chose. Tripose Maria Tecari. Ouais, je suis qui a fait ce guillot. Ça, je vais parler. Vincent, si tu veux une nouvelle. Il est toujours en train de se démolir, mais il se démolit bien, tu vois. Genre Wiimote, ça aide. Je sais pas comment on aurait fait sans. Hein. C'est vrai que je me dis, mais... Il y a tellement de fois déjà où je me suis dit, mais sans Wiimote, comment est-ce qu'on aurait fait, mais là... Bah, avec les portes safe. Attends, encore, t'as plus le coup de vie. Ah, d'accord. Moi j'ai mis, il se rajoute des trucs pour se faire genre et il le fait legit. Alors je suis sûr que t'as un mode pour être infinite life. Oui, mais ça, là ça serait, oui. Ça serait pas intéressant. Là au moins on voit un peu le combat. Ok, pas c'est bordel. Mec, t'aurais pas l'air de prendre un démon sur la gueule là. Non. En tout cas, moi je trouve ça trop démon. Par pitié, je veux qu'il meure. Personne n'a dégueulasse le mec, je suis d'accord. Parce que c'était pas drôle. Mais parce mec, ça fait 3 fois qu'il fait la même attaque, comment tu reconnais que ce n'est pas celle-là? J'avais pas envie de te juger parce que tu utilises Wii Mode. Il est content. Il a battu le boss, il est content. Moi aussi mec. Il est content, mais t'es vraiment un gros connard. T'as trop raison. T'es vraiment un fils de... C'est ce que j'ai pensé de cette situation mec. Ah là, on a eu l'arrêt en Allemagne mec. Et Vincent, t'as pas le droit de te moquer de nous, ok? Parce que toi t'as pas vécu ce qu'on vient de vivre. Il m'a quand même critiqué pour Wii Mode tout le monde du jeu. Hein. Non, en vrai, pour le géant de feu, je comprenais encore, tu vois. Le géant de feu, quand on va être avec Vincent. J'ai tellement pas hâte. Par contre, du coup, c'est tout. Genre, félicitations, vous avez vaincu le boss. Oh, la tristesse. C'est quoi l'intérêt de se faire chier à battre des boss si c'est pour au final avoir rien? Bah, on a fini la zone, en fait. Donc, si, voilà, les amis, bon, bah, voilà. On sait qu'on l'a fini. Vous avez eu son souvenir? Comment ça, on a rien eu? Oui, c'est vrai. Vous avez eu du loot ou pas ou au moins? Oui, hein. Oui. En fait, il faut juste... Alors, attends, en fait, on va débloquer normalement un de ses pouvoirs. Attends, mais y a... parce que Josué, là, il fait genre, mais... Les boss que tu tues, tu récupères leurs souvenirs. Et leurs souvenirs, tu peux récupérer deux trucs à eux. Genre, par exemple, que ce soit leur arme, leur pouvoir. C'est un peu n'importe quoi, tu vois. Enfin, moi, je joue mal, barre, parce que...
Bah oui, et après il vient dire ouais. Parce que j'adore ouais, saignement. Pas trop diversifié. Ah, c'est vrai que j'avais pas regardé aussi pour l'autre. Et là il se fait quoi? Invoque une myriade de papillons qui propage de la putréfaction. Bloc du bourgeon. Jadis au sein de l'église coulante. Nanana, on pourrait nana. Purification de Romina. Bon, on va prendre. Et ça du coup. Romina. Ouais, en fait, t'as encore un truc magie, puis un truc. Nous on fait pas d'une magie. Ah non, mais c'est quoi le truc de la flamme exaltée du coup? Tu m'as pas dit. Ah putain, moi je les connais. Flamme exaltée de Minera, invoque une manifestation de la tête du seigneur qui crache la flamme exaltée. Vous pouvez vous déplacer en incantant, tant que vous canalisez l'incantation, l'apparition persiste. J'ai tout compris, mec. J'adore quand tu me parles comme ça. Les aiguillons qui enveloppent la lame percent les victimes de l'intérieur. Si vous... crucifix de ma tête. C'est sur moi des mots sales. T'as bourré. Le pauvre Vincent, il a rien demandé à personne. Il se fait susurrer des mots sales. Toilette. Waouh. Bah, tu voulais un mot sale? Ah, bah oui, c'est sale les toilettes. Hein. Surtout les sales à Vincent. Il fait des Jacob de la fond à chaque fois, il me le dit. Surtout, mec, quand j'étais sur chantier, que j'ai dû aller dans, dans des trucs publics. Non, ça, je peux savoir, ça, ça c'est. Ça me dégoûte. Et le pire, mec, c'est que j'ai posé ma meilleure diarrhée. Bon. La question est la suivante. Est-ce que du coup, maintenant. On va rejoindre Vincent ou est-ce que. Josué va te enculer. Quoi? Je vais l'enculer. Quoi? Je ne savais pas qu'il était de ce bord. Ouais, c'est bizarre. Josué, pourquoi tu m'as menti? Je te mens tout le temps, mec. J'ai usé le seul souvenir que je ne voulais pas user, j'ai envie de me suicider. T'as fait quoi? Tu te rappelles, je m'avais dit, ah, t'es pas obligé d'aller à la table ronde pour essayer de souvenir. Espèce de. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'allais faire, hein? J'ai été dans l'inventaire, j'ai mis utiliser. Bah, c'est bien, j'ai utilisé, mais j'ai jamais reçu. Je l'ai perdu à tout jamais. Pourquoi? Oh la vache! Pourquoi j'ai. Putain, j'ai le jeu qui a lag. Josué va te faire reculer. Mais je comprends pas. Attends, comment ça, souvenir utilisé? Ne parle même pas en fait. Mais je comprends pas de quoi tu me parles. Je sens. Explique-moi. Le souvenir du boss qu'on vient de faire là. Oui. Il est stylé, ouais, d'accord. Mm-hmm. Bon, stylé, ouais. Mm-hmm. Bah ouais, bah j'ai perdu son souvenir à tout jamais. Parce que. Alors, je cite les mots de Josué. Ah je sais pas s'il a son souvenir lui-même. Hein. Ah mec, j'ai couvert un truc, en fait, t'es pas obligé d'aller à la table ronde, tu peux utiliser directement dans l'inventaire. Non. Les souvenirs? Oui. Je me souviens pas avoir dit ça, je vois pas pourquoi j'aurais dit ça. Bah, je vais insulter. Vincent, il fait... Non, non, laisse en fait. À mon avis, je pense que j'ai dû dire un truc et t'as confondu. C'est souvent ce qui arrive. Non, je te jure que je prends toujours de travers voilà. Ce que je dis, mec. Parce que je l'ai dans une de tes vidéos en plus. Ah, ok, bah clip-moi ça. C'est relou. Faut aller où? Dis-moi où est-ce qu'il faut aller. Bah, je sais pas, mec. Tu me trouves le timecode et tu me l'envoies. Non, mais je parle de dans le jeu. Pour la suite? On irait pas un peu jouer avec Vincent parce qu'il doit vraiment se faire chier, le pauvre. On peut, hein, en vrai. Et la prochaine fois, je chercherai où est-ce qu'il faut aller. Parce qu'après, il va encore partir pendant un mois et on pourra jamais jouer avec lui. Oui. Il va dire, non, mais je joue. Ça fait une heure que je suis dans le jeu, que je suis tout seul, j'aurais pu aller jouer à Star Wars. Mais, tu rages? Ah non, parce que j'ai un peu me faire tuer depuis tout à l'heure, mais vous m'entendez pas, je rage pas moi. Il a un sac contrôle. Mec, viens, on va l'emmener faire quelques boss. Bon, du coup, il faut que je fasse un nouveau perso, c'est ça les délires, faut qu'on fasse tous un nouveau perso là.